Arrête de te comporter comme un enfant. Arrête de te comporter comme un gamin. Non, tu n'as pas cet âge. Tu as 5 enfants déjà. Arrête de te comporter comme un inconscient. Jusqu'aujourd'hui à ton âge, tu vas dans les boîtes de nuit. Est-ce que tu crois que tu as le temps d'aller dans les boîtes de nuit? Pendant que tu vas dans les boîtes de nuit, on ensorcelle tes enfants. On détruit leur avenir. On détruit tes frères. On détruit ta maison. Tu n'as pas le temps d'aller là-bas. Réveille-toi un peu et relève-toi dans ta foi. Prends tes responsabilités en main. Mon frère, nous ne sommes pas à un moment où il faut te supplier pour croire. Ce temps-là est déjà passé. Les défis sont beaucoup trop grands. Le diable est debout. Il combat les familles. Dieu t'a placé là-bas, pas parce que tu dois décorer la famille. Oh, laisse-moi choquer quelqu'un. Dieu ne t'a même pas placé là-bas pour que tu nourrisses toute la famille. Tu es fier parce que tu nourris toute la famille. Tu es esclave de la famille. Tu ne dois pas être fier de ça. C'est de l'esclavage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne te tape pas la poitrine en disant, c'est moi que je m'occupe de tous mes neveux. Arrête ça. Nous sommes dans la nouvelle alliance, l'onction de la Pentecôte. Que tout le monde réussisse dans la famille. Que tout le monde aille de l'avant dans la famille. Du premier au plus petit. Mais où sont les hommes de foi? Où sont les femmes de foi? Du premier au plus petit, que tout le monde réussisse dans la famille. Est-ce que quelqu'un m'entend? Toi, tu te tapes la poitrine. Tu dis, si moi je ne paye pas les frais, personne ne va étudier. Mais tu es esclave. Tu vas mourir d'une crise cardiaque. Tu vas mourir avant le temps. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Alors des fois, même quand vous faites des caprices, quand vous êtes un enfant, on vous laisse. Parce qu'il n'y a pas des grands dégâts qui vont se manifester au travers de ces caprices. Mais à un autre moment, quand vous grandissez, vous n'êtes plus un enfant. À un certain âge de la vie, il y a des choses qu'on ne te demande pas d'avoir, on t'ordonne d'avoir. Je te réchoque. Il y a des choses à un certain âge. Mon frère, comme tu es là, tu es père de famille. On ne te demande pas d'avoir la foi, on t'ordonne d'avoir la foi. Si tu n'as pas la foi, tes enfants sont en danger. Si tu n'as pas la foi, la mort va prendre ta femme. Si tu n'as pas la foi, tu vas perdre certaines choses. Nous t'ordonnons d'avoir la foi. Les hommes de foi m'ont entendu. À un certain âge, on ne te supplie pas en disant, tu vois, il faudrait que tu aimes Dieu. Mon frère, ce soir, je te choque en te disant, je ne te supplie pas d'aimer Dieu. Tu es obligé d'aimer Dieu. Tu n'as pas le choix. Je dis à quelqu'un, tu n'as pas le choix. Le défi est trop grand. Il y a des gens ici. Si tu n'arrives pas à croire à la hauteur de tes batailles, tu vas enterrer certains frères cette année, alors qu'il n'a pas été prévu qu'ils meurent. Si tu n'élèves pas ta foi, il y a des choses que tu ne posséderas pas, alors que cela dépend de toi. Tes frères ne vont pas célébrer certaines victoires cette année, parce que toi, tu es dans l'irresponsabilité. Tu n'as pas encore compris que tu n'as pas l'âge de dire « si je peux ». Non, tu dois y arriver. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu garderas la foi jusqu'au bout. Tu tiendras jusqu'au bout. La vallée, tu la traverseras. Je parle de la vallée de l'ombre de la mort. Est-ce que je m'adresse à toi? Tu dois la traverser la tête haute. Même seul, traverse la vallée. J'ai envie de parler de la vallée. Je dis traverse la vallée. Même sans l'appui des hommes, traverse la vallée. Même sans l'appui de ta famille, traverse la vallée. Il est écrit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains. Je ne crains. Tu sais pourquoi? David savait que même si la vallée est bizarre, j'arriverai au bout, le grand berger m'amènera au bout. Tu ne mourras pas dans la vallée, tu arriveras de l'autre côté. Tu ne mourras pas dans cette condition, tu arriveras de l'autre côté. Où sont les hommes de foi? Traverse la vallée. My God, laisse-moi te choquer. Arrête de te comporter comme un enfant. Arrête de te comporter comme un gamin. Non, tu n'as pas cet âge. Tu as 5 enfants déjà. Arrête de te comporter comme un inconscient.
jusqu'aujourd'hui à ton âge, tu vas dans les boîtes de nuit. Est-ce que tu crois que tu as le droit d'aller dans les boîtes de nuit? Pendant que tu vas dans les boîtes de nuit, on ensorcelle tes enfants, on détruit leur avenir, on détruit tes frères, on détruit ta maison. Tu n'as pas le temps d'aller là-bas. Réveille-toi un peu et relève-toi dans ta foi. Prends tes responsabilités en main. Mon frère, nous ne sommes pas à un moment où il faut te supplier pour croire. Ce temps-là est déjà passé. Les défis sont beaucoup trop grands. Le diable est debout. Il combat les familles. Dieu t'a placé là-bas, pas parce que tu dois décorer la famille. Oh, laisse-moi choquer quelqu'un. Dieu ne t'a même pas placé là-bas pour que tu nourrisses toute la famille. Tu es fier parce que tu nourris toute la famille. Tu es esclave de la famille. Tu ne dois pas être fier de ça. C'est de l'esclavage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne te tape pas la poitrine en disant c'est moi, je m'occupe de tous mes neveux. Arrête ça. Nous sommes dans la nouvelle alliance, l'onction de la Pentecôte. Que tout le monde réussisse dans la famille. Que tout le monde aille de l'avant dans la famille. Du premier au plus petit. Mais où sont les hommes de foi? Où sont les femmes de foi? Du premier au plus petit. Que tout le monde réussisse dans la famille. Est-ce que quelqu'un m'entend? Toi, tu te tapes la poitrine. Tu dis, si moi je ne paye pas les frais, personne ne va étudier. Mais tu es esclave. Tu vas mourir d'une crise cardiaque. Tu vas mourir avant le temps. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Nous refusons au nom de Jésus. Nous refusons l'onction des fils de Jacob. Dans la nouvelle alliance, ce n'est pas une gloire. Oh, je suis Joseph, ce n'est pas une gloire. Je suis le Joseph de ma famille. Ce n'est pas une gloire. Parce que même à son époque, c'est à cause de Joseph que le peuple était en prison, était en captivité pendant 430 ans. Dans la nouvelle alliance, c'est la Pentecôte. La Bible dit les flammes de feu étaient sur toutes les têtes. Que tous les membres de ta famille avancent au nom de Jésus. Que tous les membres de ta famille aient la foi au nom de Jésus. Que tous les membres de ta famille perce cette année au nom de Jésus. Machetayamaché. Il y a quelque chose que je vois. Je la déclare sur la nation. Je vois le drapeau du Gabon. Et je vois une percée. Au nom de Jésus. Que cela arrive. Que cela arrive. Que la flèche que je vois, le Gabon en train de percer. Surtout économiquement. Que ça arrive in the name of Jesus. Mon frère, l'heure n'est pas au caprice. Tu es obligé d'avoir la foi. C'est toi que Jésus a choisi. Vous savez, avec les choisis, Jésus est très dur. Lorsque Jésus vous choisit pour terminer une bataille dans la famille, Jésus devient sévère avec vous. Quand les autres peuvent avoir des petites copines, Jésus frappe quand vous osez. Quand les autres peuvent faire des choses que tous les jeunes font, avec vous, Jésus frappe. Parce que derrière toi, il y a plusieurs générations. Il n'y a pas des frères et sœurs, il y a des générations. Je déclare la bénédiction sur les générations, jusque sur la millième génération. Je déclare cette bénédiction. C'est à cause de ce que tu es dans cette famille-là. C'est à cause du choix que Dieu a porté sur toi, que tu es dans cette famille. Mais si quelqu'un m'a capté, tu n'es pas dans cette famille parce qu'un jour papa et maman se sont retrouvés. Mon frère, ça c'est le calcul de Dieu. Tu es dans cette famille parce que c'est à toi de finir cette affaire. Cette affaire a trop duré. Dans ta famille, il faut que les gens vivent la volonté de Dieu selon le chrono prophétique. Il faut que les gens vivent les plans de Dieu selon le chrono prophétique. C'est à toi de finir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Qu'une âme me dise la foi. Bientôt s'affichera à ta gauche une vidéo où pasteur Joël Cabazlé te parle des situations à rejeter dans ta famille. Si tu sens de là que rien ne va, tout est échec dans ta vie, ou soit si c'est ton conjoint qui le ressent, la vidéo est faite pour toi. Clique sur la vidéo. Allez, clique. Tu reviendras me dire merci. Merci pasteur Joël Cabazlé pour cet enseignement. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. C'était Communion Chrétienne pour plus de communion.